I Spice. I Spice au ouais. Smash Bro. Oh, god damn. Avec tout respect, passe. Pourquoi? Gros force à elle. Bon, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Yagami la plante. On va faire un smash ou pass. Donc là, il va montrer des meufs. Il va dire si lui, il va les smash ou les passe. Et après ça, ça va être à mon tour. Je vais montrer des meufs. Je vais dire si moi, je les smash ou les passe. Et lui aussi. Max, like et partage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, les gars. C'est pas ta chaîne. De 3 vidéos par semaine. Yagami tiré du bas la plante. Ou Yagami la plante. Direction 1000 abonnés avant 2025. Avant 2025. Ouais, en vrai, c'est atteignable. On est rendu à 650. Ouais, t'es sur une bonne lignée là. Ouais, donc hier, ça fait pas 300 abonnés. Ça, c'est tellement faisable. Donc, les gars, si vous tous allez vous abonner, je pense qu'il faut atteindre ces 1000 abonnés. Hein. Yo, les gars, okay. J'avais mentionné 1000 abonnés, je vous offre 100$. Ouais? Ouais, je te jure. Comment tu vas les offrir ça? À travers une carte cadeau. Que ça peut être carte cadeau PlayStation, carte cadeau Netflix. 4 cadeaux, je sais pas trop. Oh, je peux participer aussi? Ben oui. Mais comment tu vas faire le tirage? Genre en vidéo? je vais par exemple faire. Tu te rappelles, t'étais allé dans un mail. Ah, ce que j'ai. Ouais. Ce que t'avais fait, t'as dit, les gars, n'essayez pas de speed la vidéo parce que je peux, à chaque fois que je vais essayer de parler, je vais vous montrer quelques chiffres, okay. Numéros. Ouais. Ça serait pas d'un trait comme ça, sinon ça va être trop facile. Genre, le premier qui va arriver, ça va vraiment. Ouais. Bon, on va commencer. Donc, tu commences? Montre voilà. La première meuf. Georgina Rodriguez. Oh, elle de Ronaldo là? Ouais. Ben yo, smash, bro! Smash! Pourquoi? Ben yo, elle est belle et tout et. Ouais. Honnêtement, je préfère la femme de Cristiano ou la femme de Messi? La femme de Messi, je sais même pas à quoi elle ressemble vraiment. Mais je sais qu'elles sont toutes belles. Mais c'est vrai que la femme de Cristiano, c'est vrai que moi je vois qu'elle s'affiche beaucoup plus. Ouais, elle est plus sur les réseaux, elle ouais. A 55 millions sur Instagram, je crois, un truc comme ça. Ouais, au même niveau, genre. Vie privée, j'ai entendu quelqu'un disait sur internet que la femme de Messi est née dans la richesse, tandis que la femme de Cristiano elle est née dans la pauvreté. Pauvreté fait que pour elle c'est nouveau, fait que tu vois. Ah, oh, ok, ouais. Mais elle travaillait dans un magasin de luxe, non? Comment ouais, elle est ouais, pauvre? C'est-à-dire qu'elle avait quand même de la thune. J'ai checké son documentaire sur Netflix là-bas qu'elle a rencontré Cristiano Ronaldo. Ouais. Toi, t'aurais smash ou passe? Bah, moi je passe parce que. Tu passes? Ouais. Pourquoi? Honnêtement, physiquement, elle est attirante. Hein? Mais. Pour le mariage, frérot. Le mariage, c'est vrai que c'est un gros mot. C'est très, très loin, tu vois. Même Ronaldo, il n'a pas encore marié. Moi, je suis d'accord avec lui. Hein. Il a raison d'hésiter. Mais yo, il est milliardaire aussi. Il je ne peux pas l'épouser. Je peux être avec elle pour une soirée. Ouais. One night. Ok. Aya Nakamura. Oh. Smash or pass, bro. Smash ou passe? Aya Nakamura, smash ou passe? Bro. Il réfléchit là. Hein. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Smash ou passe? Smash. Smash? Ouais, pourquoi t'as hésité? Il y a un souci là, pourquoi t'as hésité? Je me dis, deux fois, je suis pas d'accord avec ce qu'elle fait sur les réseaux, tu vois. Uh-huh. Comment elle se montre. Avant elle était plus posée. Hein. Ouais. Avant elle était plus posée, mais maintenant, frérot, elle part dans tous les sens. Frère. T'as vu, ça dégaine de malade qu'elle monte sur les réseaux. Elle a un sale physique, man. Ah ouais? Honnêtement, moi je suis. Elle était plus calme avant. Elle était plus calme avant, d'après ouais. Moi. Elle était plus calme. Il y en a qui vont dire, oui, elle était pas comme ça. Moi je la suis pas perso. Mais okay. Tu sais, quand quelqu'un fait beaucoup parler de lui sur les réseaux, c'est qu'il y a un problème. Je suis pas d'accord avec elle, mais je. Tu smash? Je smash. Tu smash? Ouais. Ok. Et toi, tu trouves comment? Moi, j'ai envie de passe. Pour une seule raison. Parce qu'elle est trop grande, c'est juste ça. Elle est trop grande, bon. Elle est quoi? Elle est comme 1m85, bon. Elle est vraiment grande, cette femme-là, bon. Sinon, elle est belle et tout. Ice Spice, oh, ouais. Smash, bro! Oh, smash. Oh, Ice Spice, je smash, bro, what? Il est direct, ce gars-là, hein? Direct, Ice Spice, bro. On va faire des spicy bébés, bro. Oh, shit, bro. Calm down, bro. Si un jour, t'es son manager, on te laisse tout seul avec elle, et tu deviens, en fait, quoi, tu fais quoi? Ah oui. Oh, god damn, bro. Et toi, tu la smash ou passe? Moi, je la smash. Tu la smash aussi? Okay. Parce qu'elle attire physiquement. Elle s'appelle Brooklyn Frost. Brooklyn Frost, c'est une youtubeuse américaine à la genre. Un million d'abonnés sur YouTube. Là. Je l'ai jamais vue. Mais est-ce que tu la smash ou tu la passes? On la voit comme ça. Honnêtement, à première vue. À première impression. Ça m'a l'air qu'elle est un petit peu maquillée, mais ça ne se voit pas trop. Ça ne se voit pas trop? Ouais. Mais je smash. Ça smash? Ouais. Moi aussi. Elle est très très belle. Ouais, elle est belle.
Et belle boule. Moi aussi, je smash avec Breaking Frost. Breaking Frost. Ouais, rien à dire là. Okay. Là, ça tombe tout. Elle a quel âge? Elle a 20. Ah, 20 ans, ça passe. Ariana Grande. Yo, tu te rends compte? J'ai jamais compris la hype autour d'elle parce que sur les réseaux, on dit qu'elle est vraiment belle, c'est la femme la plus belle. Je connais des gens qui disent qu'elle est trop belle. Comme... Moi, je ne le voyais pas trop. Donc, je les passe. Bon. Désolé, je les passe. Et en plus, je la connais depuis trop longtemps parce qu'elle passe dans des séries sur Disney et Nickelodeon. Là, avec, dans une série qui s'appelle Sammy Cat. Ouais. Donc là, je la vois depuis trop longtemps. Il y a trop de gens qui sont encore. Tu vois, je n'arrive pas à voir la beauté en elle. Mais... elle est belle, mais... Je passe. Si elle est devant moi, bon, je vais juste la saluer, faire une photo et tout, et là, je me casse. J'ai déjà dit que je smashais. Ah. Anna Grande? Ouais. Okay. C'est bon. Moi, je l'ai connue sur Fortnite. Hein. Tu sais, quand il y a à Fortnite, à chaque, il y a toujours des événements sur Fortnite. Tu as connu Anna Grande sur Fortnite? Ouais. Honnêtement, mon pote, on avait parlé de Anna Grande. Je dis, c'est qui ça? C'est qui cette meuf-là? Donc, je ne connaissais pas cette chanson et tout, là. Ouais. Je ne connaissais pas. C'est sûr que j'avais déjà entendu. Ouais. Comme ça, juste comme ça, random. Millions de vues. Mais je ne savais pas que c'était qui, frère. Ok. Prochaine personne. Je connais pas vraiment son nom, mais c'est une actrice dans Black Panther. Smash ou passe? Non, passe frère, non. J'ai pas envie d'être méchant frère. Pourquoi? C'est pas ton style? Non. Non frère, au moins si elle avait mis une perruque. Je préfère qu'elle mette une perruque. Mais là, elle est toute naturelle frérot. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc toi tu passes? Je passe, ouais. Je passe. C'est où? Ok. Millie Bobby Brown? Ouais. Oh là là, je la connais, hein. Je la connais. Oh, ouais. Je connais un ami qui est accro à elle. Il était accro. Oh shit. Ouais, je sais pas. Je connais quelqu'un qui était accro à elle, vous. Donc là, ils sont fous là parce qu'apparemment elle a eu un. Elle s'est mariée. Elle s'est mariée, donc là ils sont fous. Mais sinon, moi personnellement, je passe, vous. Elle s'est mariée à 19 ans ou à 20 ans? 19. Honnêtement, ouais. Moi je passe. Ouais. J'ai vu dans Stranger Things et tout. Ouais. Elle joue un rôle lourd, frère. Je l'ai écouté deux fois. J'ai regardé Stranger Things parce que c'était un boy à moi qui m'a dit yo. Regarde cette série-là! Regarde Stranger Things! Oh, ouais. Yo! J'ai jamais autant aimé une série comme Stranger Things. Waouh! C'est dans ta top 1, dans top 3? Top 2. Top 2. Ma meilleure série au monde. C'est pas le top 1? Prison Break. Prison Break! Ça, j'ai pas encore regardé. C'est trop long, bro! Non, il faut que tu regardes, frère. Maintenant, la prochaine. Megan Thee Stallion. God damn, bro. Est-ce qu'elle a un OnlyFans? Non, c'est une rappeuse. Shit, my God. Je smash, frère. Tu smash? T'as vu la bombe atomique, là? Ouais. Smash, moi aussi. Mais bon, elle est grande aussi, hein. Genre, je la compare un peu à Yana Kamura. Elle fait 1m combien? Hein? Je sais pas, mais elle est vraiment grande, apparemment. Bon, prochaine personne, ok? Elle s'appelle Gorlock. Oh, god damn. Ça me fait penser au... Tu vois le mec qui fait Patatu Mugnano avec sa... Le gars... Ah ouais, c'est TikTok, là? Le latino, là. Smash ou passe? Avec tout respect, passe. Pourquoi? Non, frère. Pourquoi? Non, je suis désolé, frère. Il y a quoi? C'est quoi les défauts? Mais je la déteste pas. Elle est, ça se voit, c'est une bonne personne, tu vois. Elle a juste besoin de force, de soutien. Ouais. Mais big, grosse force à elle. Big? Quand t'as dit big? Non, big, grosse force à elle. Parce qu'elle a besoin, ça se voit, c'est quelqu'un qui est dans le besoin, tu vois. Ah. Honnêtement, moi, je passe. Frère. Passe, moi aussi. Ouais. Personnellement, moi, je passe. Ouais. Prochaine. Ashkash. Ouh. Elle a les yeux bruns, les yeux verts. Elle a des yeux comme Sasuke, frère. Le Sharingan et le Ringan. Je passe, frère. Tu passes? Ouais, je passe. Pourquoi? Et toi aussi, on te voit avec elle. On va dire, tu traînes avec elle, tu vois. Ouais. Qui s'assemble, se ressemble. Mais là, en plus, elle a été avec beaucoup de joueurs de basket. De basket, de youtubeurs aussi. Apparemment, elle est vraiment populaire. Et elle est aussi inaccessible. Elle est un peu inaccessible. Parce que c'est une femme qui est apparemment belle, là, aux États-Unis et tout. Inaccessible, c'est-à-dire qu'elle est très occupée ou inaccessible? Inaccessible, c'est-à-dire beaucoup de gars veulent, il y a beaucoup d'attentes, mais elle ne répond pas à tout. Tu sais, les produits moins chers attirent beaucoup de clients, tu vois. Les produits moins chers attirent beaucoup de clients, mais non. Ouais. Rihanna, c'est pas un produit moins cher, elle attire toute la terre. Peut-être, tu sais pas, moi je te dis, ces gens-là, devant la caméra, oui, je suis une étoile. Uh-huh. Mais frère, je te dis, je découvre la vie, c'est monstrueuse, frère. Mais Rihanna, elle attire beaucoup de... Et c'est pas un produit moins cher. Pour les femmes, déjà, de base, pour être mis vers l'avant, frérot, c'est one shot. Une meuf débarque aujourd'hui, alors que toi, t'es là depuis un an, frère. Première vidéo et boost, frère. Ça, t'as vu la fille qui chantait, qui a juste réagi et disait rien. Sur TikTok, il y a de cela quelques mois. Aside the way, the way.
elle chantait la musique de, du fils de Bob Marley, là, ouais, j'ai vu ça. C'est pas possible, frère. Ouais, c'est plus facile pour les femmes de percer sur les réseaux. Moi, je te dis, c'est ça, les femmes, c'est... Ouais, nous, on va faire des nuits blanches, t'es malade, frère. Un gars, c'est plus dur pour lui de passer sur les réseaux. Mmh. C'est juste, moi je me dis quelquefois sur quelqu'un. Mais c'est comme ça que c'est fait. Mmh. Ouais, sinon c'est ça les gars pour la vidéo. Si vous voulez une partie de l'écrivez dans les commentaires. On pourrait faire une version juste youtubeuse ou juste rappeuse ou juste joueuse de basket. Un truc comme ça. Là. Mais si vous la voulez, écrivez dans les commentaires. Descendez dans les commentaires n'importe où et juste allez voir sa chaîne. Et... J'étais censé arrêter les réseaux, mais grâce à vous. Oh, vous êtes tellement gentils. Merci beaucoup, les gars. Ouais. Merci. Ciao.